Réconciliation et libération de Laurent Gbagbo, l'ex-chef de l'État. Voici les deux sujets qui ont alimenté les rassemblements des militants du Front populaire ivoirien pour célébrer le retour de prison de leur président, Pascal Afingessan. À Gagnoakom, à Ouragayo, où il a également échangé avec la communauté musulmane, le président du FPI s'est voulu sans détour. La réconciliation est le préalable à toute question de développement. Pascal Afingessan explique quelle est la voie pour améliorer les conditions de vie des populations. Sans la réconciliation, nous allons mourir dans la pauvreté. Nous allons mourir dans la misère. Le pays va disparaître. Parce que depuis 20 ans, nous ne faisons que nous battre en vie. La conséquence, c'est que nous ne sommes pas au travail. La conséquence, c'est que le pays vit dans la misère. Puisque pour qu'un pays se développe, il y faut la paix et la stabilité. Réconciliation d'accord, répondent les populations par la voix de leurs porte-parole, Dano Djedje et Kessier Mathias. Elles plaident toutefois pour le retour de ceux de leurs fils encore en exil et la libération des détenus de la crise post-électorale, dont Laurent Gbagbo. Sur la question, le président du FPI rassure, la réconciliation ne peut exclure personne, y compris Laurent Gbagbo. Celui qui a le cœur de la liberté ne peut pas se priver de liberté. Celui qui a le cœur de la liberté et la foi ne peut pas se priver de liberté. Cela est exigeant. Il est le père aussi de la démocratie, de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, de la tolérance. Laurent Gbagbo, depuis qu'il est dans la politique, a dit la tolérance et le dialogue. Entamée le 3 octobre, la tournée pour remobiliser les militants de son parti va conduire jusqu'au 10 octobre 2013 le président du Front populaire ivoirien dans toutes les localités de la région natale de l'ex-président Laurent Gbagbo.